Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à une autre émission, Le Magicien des couleurs. Une toile 16 par 20, toujours, ou presque toujours de la même grandeur, 16 pouces par 20 pouces. Je vais prendre le gros pinceau, le grand pinceau de 2 pouces et demi, avec du rouge, du bleu outre-mer et beaucoup de blanc. Et c'est parti. Je ne sais pas encore ce que ce sera. C'est vrai aussi, j'ai aucune idée de ce que ça va donner encore. Mais ça va donner quelque chose. Mais quoi? On ne sait pas. J'étire les couleurs avec du blanc. Le blanc va étirer les couleurs foncées qui vont devenir très pâles. Déjà, ça va bien. De rouge, je continue de l'étirer. Il va s'affaiblir. Et quand il sera rendu à son maximum, je pourrai poser une autre couleur. Terre d'ombre brûlée, gris de pin, bleu outre-mer. Là. Ça va très bien. Les couleurs sont fondues l'une dans l'autre. C'est le plus important. Pour moi, le plus important, c'est que les couleurs soient fondues l'une dans l'autre. Quand elles sont séparées, pour moi, ça ne veut rien dire. Il faut que les couleurs soient bien fondues l'une dans l'autre. Qu'il n'y ait pas de ligne, mais qu'il y ait le froid et le chaud. Qu'il y ait une chaleur, une condensation à quelque part pour atténuer les couleurs. Pour laisser parler les couleurs. Avec du blanc. Voyez-vous? Une tache de blanc. Beaucoup trop fort, on va dire. C'est vrai. Mais si on l'étire, juste un peu. Ah. Elle a fondu dans le reste. Là. Maintenant. On connaît déjà le ciel qu'on a. On le connaît déjà. Petite surprise, si on lui donnait, par exemple, un petit peu de blanc. Là. Une force de lumière à la tête du nuage.
une force de lumière à la tête du nuage. Là. Lumière forte à la tête de nuage. Ah, les nuages d'anges. C'est très beau, les nuages d'anges. Un reflet sur un lac. Oui. Un reflet sur un lac. Cette fois-ci, pas d'eau salée. Là. Ouais. Ouais. Un peu de brouillard sur la ligne d'horizon. Là. Ici, c'est trop blanc. Il y aurait trop de choses à lui faire. Rocher, souche. C'est vrai que ce serait bien aussi. Ce que je voulais dire, il y a trop de choses à lui faire, c'est, je suis mal exprimé. Il y a trop de blanc, et si on pose de la couleur là-dessus, on va couvrir une trop grande partie de la toile. Si on couvre une trop grande partie de la toile, il va nous rester juste un petit peu d'eau. Que ce soit un paysage fermé. J'aime bien ces petites pointes-là. Du foncé. Avec du bleu outre-mer et du rouge de camion foncé. Rouge de camion foncé. Il y a rouge de camion clair qui travaille très bien aussi. Ça fait un beau travail, un beau fini. Ici, du bleu outre-mer aussi, mais avec terre de sienne brûlée. Un modèle simple, facile par moment, mais un beau modèle. Là. Ici, à l'autre bout, est-ce qu'on lui fait une grosse montagne avec des arbres? Quelque chose de puissant avec des milliards de tonnes, ou si on lui fait une finesse raffinée, remplie d'arbres, tout petit. Oui. Juste ici. Et puis, on tape.
le mouvement de la spatule. Le mouvement de la spatule. Juste un petit peu de blanc ici. Là. Maintenant, le même principe. Ou même encore, on peut trouver autre chose ici. J'ai trouvé autre chose. On vient de voir quelque chose ici. Là, sur le côté droit. Rouge avec terre verte. Terre verte avec rouge de cadmium. Un peu de clarté. Ouais. À gauche, le même principe. Le même principe pour la gauche. Ouais, ça va bien. Terre verte toujours. Hop, avec gris de peine et rouge de cadmium. Des petites îles, des mini-îles. Là. Rouge. Gris de peine. L'herbe là. Il n'y a personne qui est allé passer la tondeuse à ce coin-là, c'est certain. L'herbe est là. À la sortie des bois, à la sortie d'une forêt, on arrive juste ici, prêt pour la pêche. Un peu de gris foncé avec terre verte. Là. Le même pinceau sans le laver. Allons-y avec du jaune très clair. Jaune de cadmium clair. Même si vous n'avez pas l'exactitude de la même couleur, ça ne dérange pas. Ça ne dérange même pas. Là. Du foncé, du pâle.
On va jouer avec la spatule. Qu'est-ce qu'il a besoin, lui? Il a besoin de finition. Il a besoin de coup de pinceau. Un peu de feuillu. Un peu d'essence d'érable. Un peu de jaune. Jaune camion, citron. Ah, lui, c'est jaune de camion foncé. L'autre, c'était jaune de camion clair. Les deux font très bien l'affaire. Pourquoi pas? Allons-y avec les couleurs d'automne, l'essence d'érable, l'accentophile. Ouais. Le jaune, on met un peu de blanc avec, donc il devient automatiquement intéressant. Attention, lui c'est feuillu et lui c'est gazonné. C'est la pelouse, l'herbe. Ça n'a pas la même finition. Ça n'a vraiment pas la même finition. Là. Rouge avec jaune fait orange. Un petit peu de blanc, il va ressembler aux pêches. Il y a du pêche dans les arbres d'automne. Pas partout, mais il y en a. Là, un peu plus clair. Ah, déjà, ça va bien. On va laver le pinceau. Un petit peu de blanc. Juste un peu. Je l'ai effacé, ça, ici. Pourquoi l'effacer? Non, je ne l'efface pas, je le garde tel quel. Parce que je l'aime bien, je le garde tel quel. Les petites roches. Quand il y a des petites roches comme ça qui dépassent, c'est intéressant. On voit les poissons arriver. On voit les mouvements sur l'eau. Les reflets. L'eau qui est en mouvement un petit peu. C'est un lac, c'est pas les marées. Comme ça va très bien. Un petit peu d'eau qui vient contourner, clapoter autour ici, ici et là. Pas plus que ça. Un petit peu de blanc. Le mouvement n'est pas constant, il est temporaire, seulement quand il y a des vents. Autour d'un petit lac, il ne vente pas fort.
là, à l'autre bout. Les roches aussi qui sont accrochées après l'île. Essence de bouleau. Essence de bouleau. Ouais. Il y a aussi le pinceau éventail. Blanc avec du blanc. Les bouleaux. Avec les bouleaux, ces petites branches fines. Le bouleau n'est pas un arbre qui est branché très haut. Souvent, l'arbre est noyé quand il est sur une île comme ça. Là. Du feuillu un petit peu, très peu de feuillu. Là. Un petit peu de vert, de vessie, de gris, de peigne. Ah, juste un peu. Là. Les mouvements sur l'eau, les mouvements clairs. Les mouvements sont clairs.
Avec le bout de la spatule. Là. C'était un peu difficile d'aller chercher la tête pointue. Là, ça va. C'est ça. Mon but était d'aller chercher les têtes le plus pointues possible. Comme ça. Là, ça va mieux. Là, c'est beaucoup mieux. Ici, ça va bien aussi pour nos branches. Avec nos petits boulots. Ah, c'est tout le temps qu'il nous reste. Je vous souhaite une très bonne semaine, tout le monde. Prenez soin de vous et bonne peinture. Bye.